Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope du Sagittaire pour 2024. Donc comme pour tous les autres signes, je vais faire l'horoscope donc général ou solaire, ça s'appelle. Donc c'est un horoscope qui se base que sur le soleil de naissance, donc on ne prend pas en compte les autres planètes du système solaire vu que ça dépend de votre thème de naissance, de votre date, heure et lieu de naissance pour établir ce qu'on appelle un thème natal ou un thème astral. Donc pour cela, il faut consulter un astrologue hein, pour avoir plus de précision, on va dire, que ce soit plus dans le vrai, parce que là, ça reste très très général. Donc il faut prendre ça avec un peu de recul. Donc on va faire les trois décans. Hein, donc les premiers décans sont les natifs nés du 23 novembre au 3 décembre, de manière générale, hein, c'est selon les années. Il y a des années bissextiles, donc ça peut varier de 2 à 3 jours maximum. Le deuxième décan sont les natifs du 3 au 13 décembre et le troisième décan sont les natifs nés du 13 au 22 décembre. Voilà, donc on va commencer par les natifs du premier décan du signe du Sagittaire. Alors quelles influences vous aurez donc durant cette année? Alors vous aurez votre soleil qui sera sextile à Pluton en Verseau du 22 janvier au 1er septembre et du 20 novembre au 31 décembre. Donc c'est un aspect plutôt positif hein, qui vous aide. Alors ça permet de vous remettre en question, de démarrer sur de nouvelles bases, d'avoir des facilités pour vous, pour des changements, des transformations diverses. Alors tout dépend en fait tout dépend de votre thème en fait, tout d'un peu dans quelle maison ça tombera dans votre thème. Et de manière générale, il y a quelque chose d'intéressant au niveau peut-être des échanges, des relations avec autrui, dans les amitiés. Il peut y avoir des nouvelles amitiés qui se forment, par exemple. Pas que, ça peut être des projets. Peut-être dans le travail ou autre, famille, amour. Voilà, donc à suivre pendant cette période, là, il y avait un bon afflux qui vous permet de. Un bon afflux énergétique qui vous permet de avoir des changements positifs dans votre vie. Alors ça se fait progressivement hein, dans le temps, hein, c'est un aspect assez lent. Donc forcément, il n'est pas très perceptible à l'œil nu. Alors ensuite, vous avez le Soleil qui est en carré à votre Neptune en Poisson. Enfin, carré à Neptune en Poisson dans le ciel. Alors ça, c'est plutôt un aspect compliqué, un aspect de tension au niveau de l'intuition. Là, il peut y avoir du flou, il peut y avoir de la déception, on peut se tromper dans les causes qu'on croit, dans les choses qu'on est sûr de soi, on peut se tromper dans notre volonté, dans les choses qu'on veut faire, en fait, dans certains principes. On peut être dans une période un peu de flou. Et de déception. Donc c'est du 1er janvier au 1er mars, donc c'est pendant les 3 premiers mois de l'année. Donc attention de pas se faire une image déformée, de pas imaginer des choses. Alors ça peut être en rapport avec un homme, par exemple, un père, une autorité, un mari, qui sait que sais-je, une figure paternelle, une figure d'autorité. Mais ça peut être en vous-même, il y a quelque chose au niveau de l'intuition là qui peut être un peu brouillé, on n'est pas toujours alerte, on peut être un peu. Un peu se tromper dans certaines choses. Donc soyez attentifs et bien analyser les situations. Ensuite, vous avez votre soleil quinconce à Jupiter en taureau du 1er janvier au 21 juillet. Donc là, c'est un petit aspect d'exagération. Jupiter, c'est votre planète, donc c'est un aspect alors mineur, mais qui peut un petit peu vous impacter dans le sens qu'il peut y avoir des dépenses, un peu trop de gourmandise hein, en taureau. Ça peut être niveau donc nourriture. Ça peut être aussi au niveau financier, matériel. Donc là, il y a des choses à faire attention de pas au niveau peut-être des dépenses ou de pas être trop suffisant, par exemple, mais c'est léger. Par contre, vous aurez Soleil opposé Jupiter en Gémeaux du 26 mai au 10 juillet. Donc là, en revanche, attention à l'exagération, un peu à outrance. Peut-être beaucoup de discussions, d'échanges avec des proches, beaucoup de déplacements aussi, pourquoi pas. Vous pouvez vous disperser, vous voulez faire mille choses à la fois, et puis y avoir comment dire, trop d'échanges, trop de communications qui peuvent vous desservir, hein, éventuellement faire attention à ce qui peut être dit. Donc voilà, il peut y avoir des discussions, des divergences de points de vue aussi avec cet aspect. Voilà, donc bon, après c'est pas forcément dramatique. Donc après il faut voir dans quelle maison ça tombe dans votre thème, donc pour en avoir plus de précision, malheureusement, là, je ne pourrais pas trop vous en dire. Ensuite, vous avez Soleil sextile Mars en Verseau du 14 au 27 février. Là, en revanche, donc, c'est un bon aspect, bonne énergie pour agir en fonction de vos idéaux, vos idées avant-gardistes, qui peut être. Il peut y avoir des choses à mettre en place dans un collectif, une association,
des amis, donc il y a des choses qui sont assez bénéfiques à ce niveau-là, donc c'est très positif, n'hésitez pas à agir dans ces domaines, ça vous sera utile. Ensuite, vous avez Soleil, Carré, Mars en Poisson du 23 mai au 4 avril. Donc là, en revanche, attention encore une fois à l'agressivité. Attention de ne pas se tromper dans les causes auxquelles on se bat, on croit. Parce qu'on peut se tromper dans certaines choses qu'on veut faire. Donc il peut y avoir de l'agressivité, des malentendus, des coups d'épée dans l'eau. On peut refaire certaines choses qui n'ont pas été. Qui n'ont pas été comme vous vouliez, donc ça peut voilà, ça vous crée des divergences, voire des querelles, des ruptures, des conflits quoi, éventuellement des petites tensions. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Bélier du 1er au 14 mai, là c'est plutôt positif pour agir de manière franche, directe, donc là beaucoup d'énergie, mettez-la à profit pour divers domaines de votre vie. Ensuite, Soleil Quinconce Mars en Taureau du 10 au 22 juin 2024, là légère difficulté, encore une fois. Une petite tension, des petites choses à revoir, hein, peut-être dans ce qu'on veut faire, donc voilà, c'est léger. Soleil opposé Mars en Gémeaux du 21 juillet au 5 août, donc là, attention, encore une fois, à l'agressivité, verbale surtout, certaines choses qu'on veut mettre en place de manière pratique, utile. On peut se tromper, on peut se déplacer aussi dans les déplacements, parce que c'est l'axe Sagittaire Gémeaux, donc attention, c'est l'axe des déplacements, de la parole, de la communication, donc là, attention dans tous ces domaines-là. Ça peut être le mot de trop, le déplacement inconsidéré où on n'a pas fait attention. Si on est un peu sur les nerfs, on peut, dans le pire des cas, avoir un accident par exemple, mais pas que, hein, ça peut être juste des tensions nerveuses. Donc voilà, soyez un peu alerte à ce moment-là. Soleil Quinconce Mars en Cancer, ensuite du 5 au 23 septembre, donc là c'est une légère tension au niveau émotionnel, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on agit, alors peut-être pour la famille, dans d'autres domaines aussi. On peut être un peu, voilà, divergence de points de vue, de façon de faire. Donc ça peut créer des petites tensions, et voilà, c'est léger. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Lion du 5 novembre au 31 décembre. Donc là, en revanche, c'est une bonne énergie pour vous affirmer, pour agir avec cœur, courage, autorité. Donc il y a beaucoup de choses positives là pour vous, dans l'action. Ensuite, Soleil Trigone Nord en Bélier du 25 juillet au 31 décembre. Là, encore une fois, bon aspect pour vous affirmer, pour aller de l'avant, donc pour l'évolution de votre vie, hein, l'évolution karmique, on dit, l'évolution du chemin de vie. Donc il y a quelque chose de peut-être positif pour vous à ce moment-là. Et Soleil sextile Lune noire en Balance, du 30 juin au 28 septembre. Bon aspect donc pour les relations en Balance, hein, ça peut permettre de sublimer un manque, peut-être un problème d'amour-propre, par exemple, vers soi-même, une faille narcissique, par exemple, qui peut être comblée. Au travers d'échanges, de coopération, de relations, mais pas que, ça peut être dans l'artistique, dans certains domaines de vie. Après, il faut détailler selon votre thème, mais voilà, il y a des choses réparateurs qui peuvent se faire à ce moment-là. Et positif avec une relation avec un homme, pourquoi pas un père, un mari, etc. Voilà donc pour les premiers décans du signe du Sagittaire. Alors ensuite, je vais parler du second décan du signe du Sagittaire. Donc vous, vos influences, donc vous aurez votre Soleil qui sera quinconce à Uranus en Taureau du 1er janvier au 13 mars. Donc c'est un aspect où on veut un peu se libérer de ses chaînes, un peu être rebelle, un peu se démarquer avec autrui. Alors ça peut être dans la profession, ça peut être dans divers domaines de vie selon votre thème. Donc il y a, voilà, il y a une petite notion comme ça, légère, hein, c'est pas fort, mais il y a une petite notion où on veut un peu se démarquer, être un peu plus autonome, ou vouloir rompre avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. Mais ça se fait de manière, voilà, c'est pour des choses binaires, on va dire. Ensuite, Soleil carré Saturne en Poisson du 2 mars au 31 décembre, donc là c'est un aspect un peu plus tendu, un aspect de tension assez forte, un aspect de frustration, un aspect de privation, de manque. Donc là il peut y avoir des blocages, des choses difficiles à mettre en place, à réaliser. Un rêve à réaliser qui peut être compliqué à faire en poisson, hein, quelque chose d'idéal qui vous tient à cœur ou que vous espérez faire selon votre domaine de vie. Alors là, il peut y avoir des conflits aussi avec le père, enfin, il peut y avoir des frustrations, des fins de relation dans le pire des cas, des manques. On peut se sentir beaucoup plus froid, taciturne aussi à ce moment-là, moins jovial qu'à l'accoutumée, hein, alors que votre signe est un signe plutôt jovial, jupitérien. Hein. Mais voilà, après bon, tout dépend de votre thème, mais c'est une période un peu, on va dire, en demi-teinte là. Ensuite, Soleil quinconce Jupiter en Taureau du 22 février au 13 avril. Là, il y a encore un
petit souci d'excès, on peut en faire un peu trop dans les dépenses, ça peut être dans les biens matériels, l'argent, la nourriture. Alors, il y a des légers excès, bon alors c'est pas, voilà, c'est pas méchant, hein, c'est vraiment léger. Ensuite, vous avez Soleil opposé Jupiter en Gémeaux du 10 juillet au 10 septembre. Là, c'est plutôt un aspect d'excès, vous voulez en faire trop, alors, notamment dans les échanges, la discussion, la communication. Peut-être vous parlez trop, il faudrait peut-être réfléchir à deux fois avant de dire certaines choses. Ça peut éventuellement vous retourner contre vous, mais bon, c'est pas forcément, voilà, à voir si c'est ce qui est dit, selon les domaines de vie. Sinon, c'est des excès en tout genre, on peut être un peu à droite à gauche, vouloir trop se déplacer, bouger, communiquer à droite à gauche, voir du monde à droite à gauche. Donc il y a peut-être un peu d'excès, on peut être un peu éparpillé, il faut peut-être un peu se recentrer ou être plus. Ce que ça peut engendrer, par exemple, des dépenses ou par exemple des problèmes d'organisation, enfin que sais-je, ça peut être plein de choses comme ça qui peut être un peu embêtant. Ensuite, Soleil sextile Mars en Verseau du 27 février au 10 mars. C'est une bonne énergie pour agir en fonction de vos idées. Voilà, ça peut être pour un collectif, pour autrui, pour un groupe, donc il peut y avoir des choses comme ça, hein, mais pas que, ça peut être dans d'autres domaines de vie qui vous est propre. Mais voilà, il peut y avoir des idées réformatrices, originales, que vous voulez mettre en place, par exemple. Vous agissez vraiment avec intelligence, on va dire, avec anticipation. Donc là, c'est positif. Soleil carré Mars en poisson, ensuite, du 5 au 17 avril. Là, en revanche, attention à la tension nerveuse, on peut être colérique, se disputer, on peut être querelleur, parce que voilà, on veut agir dans certains domaines de vie. Qui nous tient à cœur un idéal de certains idéaux hein, qu'on veut mettre en pratique, mais du coup, ça peut être contrecarré par une certaine volonté autrui ou par certaines choses qui font que ça peut vous rendre un peu nerveux et tendu et assez agressif. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Bélier du 14 au 27 mai, donc là, bonne énergie pour agir de manière efficace, franche, directe. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre énergie à ce moment-là pour faire ce qui vous plaît. Hein. Dans certains domaines de vie qui vous est propre, encore une fois. Soleil carré Mars en taureau du 23 juin. Alors, c'est pas carré, pardon, c'est quinconce Mars en taureau. Je corrige. Donc, du 23 juin au 6 juillet. Donc, là, ça nous donne une légère tension sur le plan, pareil, nerveux. On peut avoir des petites divergences de point de vue. Alors, c'est pas méchant. Mais voilà, faut essayer de faire attention à ce que vous voulez faire, parce que ça peut être mal perçu par exemple, mais c'est pas, voilà, c'est pas méchant. Ensuite, Soleil opposé Mars en Gémeaux du 5 au 20 août. Donc là, attention à cet été, là où vous allez peut-être avoir la chaleur qui vous tape sur la tête, là vous peut-être un peu énervé, peut-être il y a un côté nerveux là qui va ressortir, et peut-être beaucoup de choses que vous allez peut-être faire, mettre en place pour bouger, pour aller peut-être dans un endroit et que d'autres ça plaise pas par exemple, puis des rivalités à ce moment-là, des conflits d'ego. Donc attention à l'agressivité, aux querelles, aux déplacements aussi, de ne pas être trop nerveux, parce qu'on peut, dans le pire des cas, avoir un accident. Donc voilà, soyez prudent pendant ces déplacements et vos échanges. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Cancer du 23 septembre au 11 octobre. Donc là, c'est encore une fois une petite tension nerveuse sur le plan émotionnel. On peut agir dans la famille ou d'autres domaines de vie. Mais c'est vrai que ça peut créer encore des petites divergences de point de vue, mais voilà, c'est très léger. Ensuite, Soleil Trigone le nœud nord en Bélier du 1er janvier au 24 juillet. Donc là, c'est encore un aspect plutôt positif cette fois pour votre évolution, sur votre chemin de vie, pour être plus en adéquation avec ce que vous voulez faire, avec vous-même. Donc il y a quelque chose d'important pour l'indépendance, pour s'affirmer, pour être beaucoup plus autonome. Et donc là, vous êtes aidé, on va dire. Donc, et peut-être une avancée intéressante dans votre vie personnelle là, qui peut se faire pendant cette période. Ensuite, Soleil sextile Lune noire en Balance du 28 septembre au 31 décembre. Encore une fois, une bonne énergie pour sublimer des manques. Alors, ça peut être en rapport avec une autorité, un homme, une figure paternelle. Ça peut être en rapport avec vous-même, où vous comblez peut-être une faille narcissique, un problème d'ego à travers des relations qui peuvent être aidées. Hein, dans l'échange, dans le couple, par exemple, pourquoi pas des relations qui vous font du bien, qui vous permettent d'avoir plus confiance en vous, par exemple, des choses comme ça. Soleil Trigone Nœud Nord en Bélier, donc là, je l'avais déjà dit, hop, et Soleil Trigone Chiron en Bélier, donc du 1er janvier au 18 avril et du 13 novembre au 31 décembre. Donc là, c'est une bonne énergie
pour pareil, c'est pour guérir des blessures de l'âme, pour guérir des choses qui peuvent vous avoir touché. Il y a peut-être des choses qui sont qui peuvent vous aider, hein, tout simplement pour soigner certaines choses. Alors c'est assez abstrait, c'est vrai que c'est particulier. Tout dépend aussi dans quel domaine de vie, parce que ça peut paraître quête dans une sorte de choses que vous voulez mettre en œuvre personnellement, et ça peut vous aider dans votre recherche intérieure sur vous-même. Donc voilà pour vous les seconds décans Sagittaire. Donc maintenant je vais faire les troisièmes décans du signe du Sagittaire. Et donc je vais parler du troisième décan donc du signe Sagittaire. Donc c'est vos influences donc durant cette année 2024. Donc vous aurez votre Soleil, Carré, Neptune en Poisson toute l'année. Donc là attention aux illusions, aux déceptions, aux trahisons dans le pire des cas. On est un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Voilà, c'est un aspect de brume où il n'y a rien qui est clair, on n'arrive pas à voir clair. Donc on peut s'imaginer des choses, par exemple sur un homme, être déçu, sur un mari, un père, une autorité par exemple. Mais ça peut être en vous-même, il y a des problèmes de concentration, attention à l'usage de par exemple, certaines drogues, par exemple de boissons, par exemple, dans le pire des cas, mais pas que. On peut, voilà, être dans le flou, être un peu voilà, un côté un peu évasif et du mal à se concentrer. Donc attention à ne pas être trop dans les rêves, dans les chimères, parce qu'on peut se tromper dans certaines choses qu'on veut faire, dans certains trucs qu'on imagine. Voilà, donc attention de ne pas flouer aussi, être floué. Donc aspect qui dure toute l'année. Ensuite, Soleil quinconce sur Uranus en taureau toute l'année également. Donc là, légère tension, un peu électrique, vous voulez peut-être un peu vous rebeller, vous sortir des sentiers battus, être excentrique. Voilà, vous vous rebellez sur une autorité, que sais-je, hein, tout dépend dans quel domaine de vie ça peut être. Hein, ça peut être vous-même, dans le domaine matériel, financier, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Ça peut être dans les relations, la communication, dans la famille, en amour. Voilà, il faut voir après dans quel domaine de vie, dans quel domaine ça peut tomber cette légère tension. Ensuite, Soleil quinconce Jupiter en taureau du 14 avril au 25 mai. Donc pareil, attention un peu aux excès, dépenses. Peut-être un peu trop en faire à ce moment-là, mais c'est léger, hein, encore une fois. Donc, pas prendre ces aspects-là de manière très, très, très importante. Hein, ça reste du second degré, on va dire. Soleil opposé Jupiter en Gémeaux, ensuite du 11 septembre au 6 novembre. Donc là, en revanche, attention, parce que là, c'est beaucoup plus important. C'est un aspect de tension un peu fort où vous êtes un peu trop dans les excès, dans les échanges. Trop, attention de ne pas être trop éparpillé, dispersé dans les déplacements, la communication. On peut trop en faire. Donc, on peut être un peu vaniteux, orgueilleux, trop suffisant, on veut trop parler. Des fois, il faut faire attention à ce qui peut être dit. Donc, voilà. Donc à voir encore une fois dans quel domaine de vie ça peut tomber aussi chez vous. Soleil conjoint Mars en Sagittaire du 1er au 4 janvier. Donc en début d'année, il y a une bonne action qui peut se mettre en place, bonne énergie chez vous, qui va de l'avant, qui est très enthousiaste. Donc après les fêtes, ça peut être bien pour se dépenser, pour faire un peu de sport, par exemple, pour éliminer, mais pas que. Donc voilà, aspect très favorable. Ensuite, Soleil sextile Mars en Verseau du 11 au 22 mars, donc bonne énergie pour agir encore une fois. Alors là, c'est plus dans le domaine, on va dire, de réforme, de refaire le monde, d'agir pour une société, pour anticiper certaines choses, pour faire des actions intelligentes pour autrui, par exemple, dans un but de réunification, réformateur, ou que sais-je. Hein. C'est bien pour les groupes, par exemple, mais ça peut être dans d'autres domaines de vie que ça peut tomber. Donc. C'est bien pour agir avec liberté, indépendance aussi. Hein. Soleil, carré, Mars en poisson du 18 au 30 avril. Donc là, en revanche, attention à la tension, encore une fois, d'agressivité, de querelle, de dispute qui peut avoir lieu. Hein, on peut agir en fonction de certaines choses qui nous tiennent à cœur, de certains idéaux. Mais on peut être contrarié par une certaine autorité, par voilà, des personnes en face qui peuvent créer des conflits d'ego qui ne sont pas d'accord, par exemple. Alors, ça peut être après dans d'autres domaines de vie, forcément, mais voilà, attention aux tensions à ce moment-là. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Bélier du 27 mai au 9 juin. Donc, bon aspect, bonne énergie pour agir de manière franche, directe, spontanée dans tout ce que vous voulez faire. Donc, là, vous pouvez aller de l'avant, hein, deux signes de feu. Donc, allez foncer, vous atteindrez vos buts dans ce que vous voulez faire éventuellement.
Soleil quinconce Mars en taureau du 7 au 20 juillet, donc l'aspect de semi-tension, encore une fois, où on peut ruminer un petit peu, avoir une colère un petit peu rentrée, la ressortir, voilà, faire des remarques peut-être un peu désobligeantes. Alors c'est pas méchant, mais voilà, faire attention à ce moment-là de l'énergie qui est pas trop, qui est pas trop, voilà, qui est pas trop là, qui est pas trop favorable, parce que bah, Mars est en exil en taureau, donc on dit qu'elle n'est pas bien dans le signe, donc c'est une énergie un peu ruminée, rentrée, et qui peut ressortir après coup, et qui peut être un peu préjudiciable, mais voilà, ça reste un aspect mineur. Ensuite, Soleil sextile Mars en Gémeaux, alors non, c'est opposé Mars en Gémeaux, pardon, du 20 août au 4 septembre, donc là, attention, cette fois-ci, une fois de plus, à la tension, alors là, c'est plus voyant, plus important, attention aux tensions nerveuses, aux disputes verbales. Alors on peut s'emporter dans les déplacements aussi, faire attention d'être prudent parce qu'on peut être un peu trop nerveux et ça peut, dans le pire des cas, créer des accidents. Donc attention aux conflits pendant toute cette période. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Cancer du 12 octobre au 4 novembre. Donc là, c'est pareil, légère tension sur le plan des émotions. On veut agir en fonction de ses humeurs, de son ressenti, mais parfois, voilà, ça peut être mal vu, mal vécu. Ça peut être dans la famille ou autre. Donc soyez plutôt sur la réserve et ménagez-vous. Et enfin, Soleil Trigone Chiron en Bélier du 19 avril au 12 novembre. Donc là, un bon aspect pour tout ce qui a rapport avec la santé, pour réparer certaines blessures physiques ou de l'âme par rapport à ce que vous entreprendrez. Vous avez une quête qui vous grandira, qui vous permettra de vous sentir intérieurement en adéquation avec vous-même, être bien. Donc c'est plutôt positif. Donc à suivre, hein, selon encore une fois par rapport à votre thème, dans quel domaine de vie tout cela ressortira. Voilà, donc j'ai terminé pour les trois décans du signe Sagittaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter éventuellement si vous le souhaitez pour avoir plus de détails sur votre thème personnel. Et quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine vidéo pour l'horoscope du signe du Capricorne. Je vous remercie. Au revoir.